Et salut PierreTube, salut YouTube, salut tous ceux qui regardent ça en vidéo. Alors, je continue Graveyard Keeper, je sais plus du tout à quel numéro épisode j'en suis. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Plein de choses, évidemment. Comme je viens de me remettre en mémoire rapidement, en gros, il faut donc rentrer chez moi, voir avec l'astrologue, il faut aller dans une pièce dans la crypte de mémoire avec la clé qu'il nous a donnée, trouver le journal. L'inquisiteur veut 10 prospectus et faudrait que je déverrouille la partie ouest du cimetière avec lui. Le marchand à tours sont ok, mais et la licence commerciale elle est super chère, donc je l'ai pas encore. Mademoiselle Charme, j'ai déjà donné fausse pièce à Serpent, mais faut que j'aille la revoir. L'évêque, donc améliorer le cimetière, l'église, et il faut du poisson, donc pour le poisson j'ai pas encore. Le bûcheron, la hache de fer, je me demande si c'est pas la hache niveau 1, comme on a vu dans les épisodes précédents. Oradric, toujours le tampon. Limite, il me faut du bleu pour ça, et je pense que ça va être l'objectif là, faut que j'ai un peu de technologie bleue. Le baron gitan, il faut des filets de poisson argentés, non pas comme l'évêque, juste des filets de poisson. Et le creuseur, il faut du miel. Ah si, et Wagner, il faut de l'encre. Le papier, je viens d'en avoir, mais pas l'encre. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, du coup. Où est-ce que j'en étais? Tac. Là, je peux construire une malle. Là, j'avais mis les ailes de chauve-souris. Il n'y en a pas assez. Je peux peut-être en prendre une quand même. Oui, dans l'inventaire, je crois que j'ai vu la guide du débutant et fait qu'on utilisait plus 5 de bleu. On va l'utiliser. Voilà, parfait. J'ai 20 papiers alors qu'il m'en fallait que 10 pour Wagner. C'est pas grave. J'ai 2 de mille, il en faut 5. Ça, par contre. Oui, j'ai le pass de la ville. On peut aller voir le pass de la ville. La clé du gardien, voilà, justement. On est de nuit, il y a Serpent. Il va m'embêter encore, ça. Cette grille est fermée, il va me falloir une clé pour l'ouvrir. Ok, donc c'est pas cette clé-là, quoi. Ouais, c'est une clé jaune. Et, partir. Ici, pour aller plus vite, sans passer par dehors. Alors, 10 piquets. Ouais, je crois que les planches carrées, je peux pas les avoir, les poutres. Et 4 pièces simples. Ok. On est le jour du marchand. Le jour du marchand, là, le jour des cornes. Très bien. Alors. Regardez rapidement le cimetière. Oui, j'avais pas mal avancé la ferme. Alors là, c'est bien marqué 0. Oui. On a dit objectif le bleu, mais il y a quand même les trucs du jour. Alors citoyen, tampon royal c'est 50, c'est trop cher. Permis de construire 20, c'est aussi trop cher. Licence commerciale c'est 50. Voilà. Donc c'est bien ça, je l'ai pas encore. Aristocrate, ça va être 12 pièces d'or. Genre j'ai du mal à avoir des pièces d'argent et il me parle déjà de pièces d'or. Ouh, j'en ai que 3 de fois. Bah, c'est pas grave. On va la prendre. Tac. Et on va aller. Vu que j'ai pas l'herbe à hockey, ni le. Comment ça s'appelle? Oh, je déteste avoir des trucs. J'ai pas ni la licence commerciale, voilà. Ça sert à rien d'aller voir le marchand. Là, j'ai pas de verre. Voilà, il me fallait bien 5 ailes de chauve-souris. Donc, j'en ai pas assez. J'en avais que 4 dans ma. Là-bas. Alors, on va pouvoir étudier les ailes de chauve-souris, justement. Étudier.
alors ça enlève un petit peu d'énergie mais pas beaucoup. Aile de chauve-souris. Vous avez terminé l'étude de aile de chauve-souris. Cet objet peut être décomposé en poudre et fluide. Ok. Ah oui, ça donne beaucoup en fait. Qu'est-ce que je peux étudier? Non, ça c'est décomposé. Le lingot de fer. Non. Faudrait du bleu. Est-ce que j'ai quelque chose qui donne du bleu? Non, on dirait pas. Si, la clé, mais je crois que la clé, il faut autre chose. Il faut instruction pour clé. Du coup, la clé, je peux pas trop. Le purin, vu que je sais toujours pas quoi il sert. Non, je viens d'utiliser. Ma lingot de fer, alors, hein, étudier. Vous avez terminé l'étude de lingot de fer. Cet objet peut être décomposé en rien du tout. Super. Ça coûte un peu cher, en fait, du coup. Miel. Non. La tourbe, je sais pas quoi le faire. Si. Bon, c'est pas grave. Et là, j'ai plus de foie, je peux plus décomposer. Ça. Ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Le papier, j'en ai fait assez, normalement. Ça, c'est la même chose que de l'autre côté. Il va me falloir du verre pour avoir l'autre établi. Et avec l'autre établi, avoir peut-être avoir du bleu plus facilement. Donc là, ça va être le jour de serpent. Le scarabée vert, je crois que ça sert pas à grand chose. Je vais poser ce que j'ai en trop sur moi. Alors ici, on pose le lingot de fer, la pierre aiguisée, je sais pas pourquoi je l'ai sur moi. Le burin, je sais toujours pas trop à quoi il sert, mais je vais le garder. Oh oui, le passe de la ville, on peut aller vérifier la ville. Non. Ici. Alors, le papier, on va le poser. J'en posais 10 parce que j'en ai pas besoin d'autant. La tour, j'en ai pas besoin. Ça, j'en prends 8 seulement. Peut-être été plus rapide de les prendre une à une. Un à un, les déchets agricoles. Certificat d'inhumation. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais poser l'aile de chauve-souris, du coup. Voilà. Technologie, comment on fait du verre déjà? Je crois que c'était en bas, là, du verre. Fabriqué à fourneau 2, fourneau 3. Lui c'est quoi? Lui c'est fourneau 1. Ah ah! Il faut fourneau 2. Ok, schéma de fourneau 2 c'est là, du coup il me faut 10 de bleu. Ok. Par contre, pour faire du verre, normalement, il faut du sable de mémoire. Et le sable, je crois que j'en ai vu là-haut à gauche, mais que je pouvais pas le ramasser. Ici. J'essaie de monter un peu trop vite. Ah si, je peux. J'avais peut-être plus la pelle. On va prendre un peu de sable de rivière. 5 par 5, ok, très bien. Ça donne du vert. Non, c'est vraiment le bleu qui manque. Oh, la pelle est toujours cassée. C'est ici. Les
bol, j'en ai déjà fait. Ici, qu'est-ce que je fais déjà? Les clous, les pièces de fer simples. Oui, avec des pièces de fer, je pourrais peut-être faire des... deux haches, par exemple, dont je pourrais en donner une au bûcheron. Alors, il faut combien? Il faut deux. Je vais faire beaucoup plus, comme ça, je pourrais faire les autres d'avance. Oui, donc c'est bien le jour de serpent où j'ai pas grand-chose à faire. Ah, je peux en faire qu'une. C'est pas grave, je vais en faire une du coup. Ah, sérieusement. Je vais quand même. Non, je vais me reposer du coup. Ça sert pas à grand chose d'aller en ville. Ça dépensera mon énergie pour rien. Enfin, j'aurais pas d'énergie à dépenser si jamais je veux faire un petit truc là-bas. Donc ce serait dommage. Je me sens rafraîchi. Si je vais en ville, il faut que je pose ça. Il faudrait que je prenne voilà, toutes les graines que j'ai. Ville, je vais essayer de voir si je peux vendre mon ancienne hache. J'ai encore tout ça à ramasser en fait. Vraiment faire une malle juste à côté. Alors non, pas ici. Ici on va y déposer tout le blé. On va... Tiens, les pièces de fer, je peux les déposer juste devant. Ah, mais la pierre aiguisée, en fait, à chaque fois, elle se remet dans mon inventaire, je crois. J'ai l'impression. J'ai le passe de la ville. Papier de citoyen légitime. La clé, vu qu'elle me sert pas à grand chose. Papier propre, oui, c'est bon, je pense. Alors là, je remets la pierre aiguisée, je mets tout ça. Est-ce que... j'ai pas de tourbe. Alors ici on avait dit les betteraves, parfait. Ici, je crois que c'était... Non, le blé, parfait. Ici les choux, ok. Et ici les carottes. Voilà, il me manque pas grand chose pour faire juste une récolte de plus. Ah mais on est de nuit. On est de nuit, le jour de l'homme c'est l'inquisiteur, l'âme rouge. Pas besoin. Toujours pas de prospectus. Et je sais pas comment les faire. Si je regarde. Est-ce qu'il y a peut-être. Il y a peut-être un. Dans l'écriture, sûrement. Cette de notes. Euh...
Là, il y a une autre recette de papier propre. C'est le même, hein. Recette papier en pot de porc, recette papier propre. Sauf qu'il est fabriqué au bureau, alors que là, il est fabriqué à la presse. Donc, c'est peut-être plus automatique ou en plus grande quantité. Mais, non, là, je vois rien d'intéressant. Oh, je peux récolter les insectes. Vu que j'ai mon bleu, est-ce que c'est intéressant tout de suite? Je sais pas. Je pourrais faire du vin sinon. Jerry, il veut du vin de mémoire. Tac. Je peux faire de la cuisson de céramique aussi. Bon, je vais en ville. Je vais faire de la vente. Enfin, dans le village plutôt. Essayer de voir si je peux me débarrasser au moins de mes papiers sans lui donner l'encre tout de suite. Voilà. Ah, du papier. Le papier est... Une extension de l'âme du poète. Bah, on va dire que le papier n'a rien de poétique. L'encre, donc soit je la fabrique, soit je vais chercher l'astrologue. Donc je sais où aller. Ah, la poisse pour aujourd'hui. Commercer. Je me demande tout. À chaque fois la pierre de fouet, je me demande un peu ce que c'est. L'inquisiteur, justement. Le chemin menant à la ville est fermé. Il vous faut un pass de la ville. Ah, continuez. Maintenant, vous pouvez aller en ville. Est-ce que ça me l'a bouffé? Genre, ça me gagne une place, du coup? On dirait. Bon, j'ai le pass de citoyen légitime, je sais pas trop quoi en faire. What? Genre, j'ai vu quoi? 66 000? 66 millions? J'ai vu combien? Vous êtes mort, ok. Bah voilà, ce fut rapide. Ah, oh, que s'est-il passé? On dirait que je suis en vie et de retour à la maison. Vu les circonstances, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Sarde de Sarde, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je crois que j'ai été frappé par la foudre en chemin pour la ville. Je l'ai senti, une rage ancienne et puissante sautiller jusqu'ici. Sautillez juste ici immédiatement. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose avec un grand pouvoir ne veut pas de vous dans la ville. Je ne sais pas trop. En fait, je suis à peu près sûr que si vous continuez à essayer, des choses vont mal se terminer pour vous. Du genre, je suis un crâne parlant moi aussi maintenant. Mais je dois aller là-bas, je dois retrouver des objets magiques, je dois rentrer à la maison. Je suis un peu blessé que vous n'aspiriez qu'à me quitter. Mais en tant qu'ami, je vous suggère de parler avec Serpent dans la crypte de l'église. Je pense qu'il pourra trouver ces objets pour vous. C'est une fripouille très habile. Vous connaissez Serpent? Je parle avec lui tout le temps, je me cache dans une pile de crânes et on papote. Il me prend pour sa voix intérieure, il est très ouvert avec moi. Il vous a dit des choses intéressantes. En tant que sa voix intérieure, je trouve cette question contraire à l'éthique. Ok, j'irai parler à Serpent. Peut-être pourra-t-il nous aider. Nouvelle tâche. Elle apparaît pas à droite. Non, là on est en journée. Ah si, peut-être que j'ai le temps de le voir. Oui, Serpent, pourriez-vous me trouver certains objets? Pourriez m'aider à trouver quelque chose en ville? Je sais même pas pourquoi je veux y aller en ville, à part pour visiter. Je peux vous trouver tout ce que vous voulez, demandez-moi. Un miroir de l'orgueil, un charbon ardent éternel et une fourchette salée. Oh, c'est des trucs bizarres. Comme vous avez dû le remarquer, je travaille à un projet très important en ce moment. Je n'ai donc pas beaucoup de temps libre, mais si vous m'aidez, je pourrais peut-être vous aider. Ah oui, il faut 60... Ouais. Là, je me suis un peu spoilé de l'histoire, parce qu'il vaut 60 d'amitié avec lui. C'est pas pour tout de suite, je crois.
Ça va être le jour. Je vais passer faire mes courses chez le. Quoique, ça prend de la place. Ça prend de la place. Je vais pas passer à la ferme acheter des graines en fait. Alors l'inquisiteur, je m'en fiche. C'est demain que ça sera plus intéressant quand ça sera l'astrologue en bleu, la lune bleue. J'irai lui acheter de l'encre, un peu quel que soit le prix, et puis tant pis. Je crois que le bûcheron est par là-haut. Alors c'était pas lui. Au final, je vais lui donner ma seule hache en bois, mais si ça peut faire avancer les choses, ça sera toujours ça. J'ai une meilleure hache pour vous. Je vais vous donner deux recettes, les pâtes et les lasagnes. Avec ça, vous pourrez couper des arbres à longueur de journée. Végétarien ? La viande coûte cher, l'astuce c'est de manger des glucides lents. Les lentilles ont encore plus de protéines. Vous avez développé une nouvelle technologie et obtenu recette lasagne, recette pâte. Ok, du coup il me servait que ça. Du coup j'ai perdu une bonne hache juste pour ça. Non, c'est pas grave. Je suis où? C'est dommage qu'il n'y ait pas de curseur, donc du coup je vais être là. Il me faudrait des mythes quand même. Je vais déverrouiller la technologie des mythes, comme ça quand j'irai au. Voir le. Ah, il y a l'écriture ici. Ah, qui vaut 5 aussi, je veux dire. C'est ok. Recette note et recette chapitre. Et ça donne un bureau, que du coup, c'est un nouveau truc. Ou alors schéma étagère à parchemin, et qui me donnera l'encre qui m'empêchera de l'acheter. Ouais, mais acheter un petit peu d'encre, ça sera peut-être pas gênant. Ça, je sais pas à quoi ça va me servir. Alors que limite, ça va me permettre de débloquer la pêche, donc faire une nouvelle activité. Et ça va me permettre de débloquer deux missions qui ont besoin de filets de poisson. Là, c'est quoi? Alors, chez ma bande église. Ah, c'est comme ça que j'améliorerai l'église. Bougie. Tant candélabre, recette bougie. C'est quoi la différence? Établi église prêche, établi d'église. Ok. Et ça, j'aimerais bien qu'ils me mettent pas tout en bas. D'accord. Technologie. Alors, recette prière de prospérité. 10 à 30 de requis pour garantir le succès de la cérémonie. Pour ceux qui gagnent leur vie en faisant du commerce honnête, permet d'obtenir une bénédiction commerciale qui peut augmenter, améliorer un vendeur. Effet argent de la quête, plus 25%, fois vieux le sermon, plus 25%, fois 1 à 3, 1 à 3 pièces d'argent. 10 de requis pour garantir le succès de la cérémonie. Pour ceux qui gagnent leur vie en faisant du commerce. Ok. Ah, les prospectus sont là. Fabriqué à bureau 2, presse d'imprimerie 2. Ah, c'est bureau 2. Ah, c'était peut-être pareil pour le verre alors. Attendez. Là, c'était fabriqué à fourneau 2. Ah, ils auraient dû mettre virgule espace, mais bon. On va s'y repérer quand même. Alors, le verre, je peux l'avoir à fourneau. Le fourneau, j'en ai déjà un. Je vais prendre. Le jeu n'aime pas que je passe de la souris à la manette. Je vais prendre les insectes, comme ça je pourrais trouver des mythes. Et je pourrais avoir ma pêche. Qu'est-ce que je vais faire jusqu'à demain? Je pense que je vais détruire des arbres ou des trucs comme ça pour avoir des bâtons de bois. Et du coup, pouvoir me faire plus de matériel amélioré.
Peut-être aller voir le forgeron, c'est sûrement lui qui va être intéressé si je lui donne des vieilles haches, des choses comme ça. Enfin, faut pas que je lui donne maintenant, vu qu'au final j'ai donné l'autre au bûcheron. Oui, lui il est content si je lui donne. Ok. Oui, je peux avoir une pierre à aiguiser pour 10 d'argent. C'est énorme, ça coûte super cher. Tac. Du coup, c'est le retour, il fait jour, je vais m'acheter des graines. Donc je passe pas par le chemin souterrain. Commercer. Ah, j'ai ça dans mon inventaire, ok, j'ai pas posé. Graines de betterave. J'ai quoi comme graines sur moi? J'ai une fois le blé et une fois les carottes. Et trois fois les carottes. Donc, une fois le blé. Ça fera 20 avec celle que j'ai. Ok. Les carottes. J'en ai 3. Je vais faire pareil. 7, 18, 19, 20. C'est bon. Les choux. Attendez, les betteraves peut-être. Je vais tout lui prendre. Ah, ça coûte cher quand même. Et le chou. Il faudrait que je les utilise parce que là je les fais pousser mais... Pour pas grand chose, le chou je vais en prendre 16 ou 20. 20, comme ça j'ai 20 de tout. 20 de chaque plutôt. Voilà. Donc lui, il veut bien me les acheter, mais à 11 centimes quoi. Genre il me vend les graines plus cher que ce qu'il achète les fruits et légumes derrière. Oh, du miel! Ok. Parlant de miel, je crois qu'il y en avait par là-haut. Je sais plus où exactement. Et j'en ai récupéré 2. Donc il doit y en avoir un peu plus. Je vais pas pouvoir passer par là. Ah, ouf. Lui il me vend quoi déjà le mec de la pierre? Juste des cailloux bruts. Et il achète du bois de chauve, de ce que je comprends. Non bah j'ai peut-être rêvé, c'était peut-être pas par là. Je retomberai pas dessus comme ça peut-être juste. Tant pis, il va faire nuit. Ce serait bien que je me fatigue en prenant le bois, tout ça, mais en plantant, en faisant tout ça quoi. Là, je pourrais sûrement lui acheter du miel à lui, mais bon, acheter du miel pour le donner à l'autre là-bas. Je suis pas sûr que ce soit rentable. Acheter une abeille par contre, évidemment, c'est plus rentable. Logiquement, ça se trouve pas. Alors, j'ai pas entendu l'âne qui venait donner un corps. Du coup, je sais pas si c'est parce que je lui ai pas mis de carottes. Ou si c'est parce que
il a juste pas envie de m'en donner pour le moment. Alors, ici, planter. Carotte. Planter carotte, ok. Planter chou, ok. Planter blé, ok. Planter blé, ok. Et voilà. Là, je récupère la tourbe. Je mets de la tourbe. Puis de la betterave. Là, je mets la tourbe. Puis du blé. Ici, je mets de la tourbe. Puis du chou. Ici, je mets de la tourbe. Et de la tourbe. Puis des carottes. Et des carottes. Moi qui voulais me fatiguer un petit peu. Plate-bande avec des bâtons. Ça doit être pour faire des trucs en hauteur. Ah, je peux faire une malle. La malle qui va m'être super utile. Vu le nombre de déchets, de graines et tout, ça sera mieux de mettre tout ça ici. Tas de compost, ok. On va mettre juste des plates-bandes vides pour le moment. Là. Et ici aussi quelques-unes. J'en ai peut-être mis un peu trop. Surtout qu'il me semble que j'ai pas de tourbe. J'en ai une. Hop, chou. Ok. On a dit qu'on pouvait détruire peut-être quelques arbres. Enfin, récolter. Des bâtons de bois. Ah si, j'aurais dû voir l'inquisiteur pour qu'il me donne le droit, ou qu'il me rappelle en tout cas, comment avoir le droit de couper, d'utiliser la partie gauche du cimetière. Bon, après, je suis pas pressé, je manque pas de place, loin de là. Mince, c'était la nuit et j'ai pas récolté les mythes. Ah! Bon bah tant pis. Je devrais retourner au phare. Bon, le pêcheur y est tous les jours, donc c'est pas si grave si. C'est juste que je vais devoir y retourner pour pas grand chose quoi. Alors j'aurais pu tout faire le même jour. J'ai de la place au moins dans mon inventaire, oui. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je pense que l'astico, ça sera pas mal pour pêcher, donc c'est pas plus mal que je l'ai. Moins ici que plus à gauche. Il
Là, il y a la presse que je sais pas comment m'en servir. Je sais pas trop à quoi le faire. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai éteint deux fois le jeu, j'ai sauvegardé et tout, mais c'est quand même resté là, tout ça. Très bien. Très bien. J'ai pas le journal qui est au fond, machin. Par contre, ce que je veux, c'est de l'encre fabriquée à l'église. Ah oui, mais j'ai plus de sous, en fait, du coup. En achetant toutes ces graines là. Commercer. Il s'en fout lui. Ah oui, mais j'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Qui c'est qui va bien vouloir m'acheter des trucs en ville? Peut-être que même lui voudrait. Merci. Non, il veut bien me donner du chanvre, des graines de chanvre. Huile de graines, d'accord. Ou de la. Enfin, il est à fond sur le chanvre, en tout cas. Dernier, je ne sais pas trop qui pourrait bien vouloir m'acheter des choses, des fruits. Et même lui, il n'en veut pas. Vous feriez mieux de parler à mon mari, c'est lui qui prend les décisions ici. Commercer. Elle, je peux lui acheter des recettes un peu compliquées. Ah, moi qui pensais. Qui pensais avancer. Et bah, j'ai tout loupé. Je vais devoir attendre une semaine. Parce que j'ai tout dépensé. Là qui était resté là-bas, les bouts de bois je les veux pas ici, les asticots on les pose là, bon on va commencer à cuisiner un peu des trucs intéressants, lasagne, déplier, oh lentilles. Attendez. Là, c'est fabrication. Et là, c'est déplié. Et là, j'ai quoi? Je peux mettre une pâte brisée. Ah, je peux rajouter des lentilles pour que ça augmente la qualité. D'accord. Aucun talent amélioration pouvant avoir une influence n'est disponible. Ok. Donc, mais j'ai pas de lentilles. J'ai pas de lentilles, du coup. C'était la pâte brisée. Oh, super. Double clic de merde. Bon, on va utiliser un peu toute la farine. Peut-être pas toute. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? La pâte feuilletée, la pâte brisée. On peut faire que de la brisée. De la choucroute.
L'information, il manque du sel. La viande, d'accord. L'hamburger, il... Je peux mettre des oignons ou pas, et il me faut du pain. La gelée verte ou rouge, il me faut du slim dans tous les cas. Du jus de baie. Ça me paraît pas mal, le jus de baie. Ah bah, en fait, j'aurais peut-être pu commencer à faire de la pâte. Ah, on va poser le jus de baie, on va poser la viande. Je vais garder les graines sur moi, je vais mettre dehors les bâtons. Voilà. Normalement ici on peut faire du verre, non? Oui, on peut faire du verre. Parfait. On va en faire, je sais pas trop pourquoi on n'en ferait pas, sachant que j'en ai besoin pour en bas. Mais c'est du verre amélioré que j'aurais besoin, c'est pas grave. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour cette première vidéo depuis un petit moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit plus. Si ça ne vous a pas plu, bah, laissez quand même un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Et on se retrouve très vite. Salut !